Le coup d'envoi donné. Et tout de suite, on va aller chercher Mathieu Patouillet, le gardien sochalien. Ah, petit problème. Coup d'envoi va être redonné. Kim Ben Eladj, qui a probablement vu des joueurs rentrer sur la pelouse. Allez, coup d'envoi donné avec Mathieu Patouillet. Pas changé la stratégie, l'ancien gardien d'Olympique Lyonnais qui est prêté par l'Olympique Lyonnais et qui a pris la place de numéro 1 à la place de Baptiste Valette. Thomas Fauquet. Ballon dans les pieds rémois tout de suite avec le latéral droit belge qui va avoir une nouvelle touche à effectuer. Et ça va être intéressant d'observer notamment le milieu de terrain rémois, on vous l'a dit, ils sont décimés. Teddy Thomas. Le ballon avec Agbadou. Et cette formation sochalienne qui subit déjà les événements dans ses premières secondes de jeu, forcément il faut s'attendre à une différence de niveau. On rappelle que les Rémois sont 6e de Ligue 1, même si Will Steele l'a dit, c'est une équipe de Ligue 1 qu'on va affronter cet après-midi en Coupe de France. Manière de prévenir ses joueurs, d'alerter ses joueurs, il faudra rester concentré à 100% quand on voit forcément l'affluence ici à Bonal cet après-midi. Oui, on a bien l'impression qu'une équipe de Ligue 1 en accueille une autre aujourd'hui. Allez, Teddy Thomas pour effectuer ce coup franc. Amadou Koné. Avec Emmanuel Agbadou qui va tenter de rentrer dans le terrain adverse. Tenter ses percées. Teddy Thomas va réclamer le ballon. Ça a été récupéré tout de suite et on tente de le conserver le ballon du côté rémois avec Josh Wilson-Esbrand qui évolue dans une position déliée. Oh, la bonne déviation signée d'Arami. Première incursion dans la surface de réparation et première intervention réussie de la part de Mathieu Patouillet. Et c'était Thibaut De Smet qui était venu rentrer dans cette surface de réparation. De Smet à la baguette, le centre de De Smet contré par Arthur Vitelli. Et derrière, en deux temps, Mathieu Patouillet réussit à prendre ce ballon. Corner à suivre pour cette formation rémoise. Et n'aurions pas Teddy Thomas tout de suite à la baguette. On sait qu'il est capable de déposer des galettes dans la surface de réparation. L'excellent Thomas. Hakim Ben Eladj vient faire un petit peu de ménage dans cette surface de réparation. On voit Mohamed Darami notamment. Et il était à la lutte avec Gomis. Ballon repris, premier poteau par des Rémois. Ce sera un nouveau corner à suivre, oui. En faveur de cette formation rémoise. Nouvelle possibilité donc pour les hommes de Will Steele. Le corner est bien tiré, il est renvoyé, boxé des deux points. Possibilité pour Thomas Fauquet de se mettre face au but. Finalement, il a préféré donner ce ballon à Wilson Esbrand qui va le perdre. Et il y a une possibilité de contre cette fois-ci pour les Sochaliens. Très vite stoppé, pas de faute signalée par Hakim Ben Eladj. Thomas. Et on avance avec le ballon. Et le coup de sifflet d'Hakim Ben Eladj à l'encontre de Noah Fattar. On va revoir cette faute de la part de l'ancien du SCO, prêté à Cholet la saison passée, qui fait partie des valeurs sûres cette saison du FC Sochaux. Il a marqué 5 buts en 15 matchs de national déjà. Ah, et la possibilité donc
pour Teddy Thomas. On vous a parlé tout à l'heure de sa capacité à distribuer, à distiller les galettes. Teddy Thomas, le voici avec son pied gauche. Non, cette fois-ci, il s'est raté. On lui a porté malheur. Le contre à venir, la transition. Il n'arrive pas pour l'instant à progresser dans la transition. Les Sochaliens, ils sont très vite pris à la gorge par les Rémois. Une nouvelle fois à l'attaque avec la possibilité de centre, cette fois-ci signé Darami. Et encore un corner, le troisième déjà de cette partie en 5 minutes. Avec un nouveau corner, le troisième déjà obtenu par les Rémois dans ces 5 premières minutes de jeu, qui ont eu également un coup franc très bien placé aux abords de cette surface de réparation. Cela confirme la domination forcément des hommes de Will Steele dans ces premières minutes de jeu, qui vont avoir la nouvelle possibilité de concrétiser cette domination. Le corner est bien tiré, le corner est bien repris surtout, et voilà que Reims vient faire encore tomber la température de quelques degrés ici à Sochaux. C'est Emmanuel Agbadou, le géant rémois, qui est monté dans cette surface de réparation pour glacer l'ambiance sochalienne. 1-0 pour les Rémois, pas de surprise sur ces 5 premières minutes de jeu, c'est logique, le but marqué par les hommes de Will Steele. Emmanuel Agbadou qui donc marque son premier but sous les couleurs rémoises, et ça confirme vraiment que Will Steele a bien prévenu ses joueurs. Ils sont très sérieux sur l'entrée de cette rencontre, sur les 5 premières minutes de jeu. Marqué d'entrée comme cela, c'est une confirmation qu'on prend Sochaux au sérieux. C'est une confirmation aussi que ces Rémois travaillent bien. Allez, la possibilité pour les Sochaliens cette fois-ci. Encore une fois, lecture de trajectoire très bien lue par les Rémois. Attention à ne pas trop s'enfermer du côté du jeune Amadou Koné, 18 ans, qui vit sa première titularisation en professionnel. Joueur arrivé en Europe cet été. Oh, la bonne déviation, la remise de la tête. C'était Alex Dao qui avait tenté de la mettre de la tête. Corner à suivre pour Sochaux, et Bonal qui encourage les siens avec cette première possibilité. C'est Joseph Okoumou qui a mis ce ballon en corner avec une possibilité tout de suite de réagir, une possibilité tout de suite de revenir pour les Lyonceaux. Et le corner a été joué à deux, mais très rapidement Amadou Koné prend le dessus sur le latéral sochalien. Le ballon reste jaune et bleu avec une possibilité pour redresser dans le camp rémois. On ne les a quasiment pas vus dans le camp rémois sur ces 7 premières minutes de jeu. Rendez-vous compte, les sochaliens complètement pris à la gorge sur ce début de match par une équipe rémoise qui prend vraiment cette rencontre, qui prend vraiment ce 16e de finale, qui prend vraiment cette équipe sochalienne au sérieux cet après-midi. Teddy Thomas, voilà la technique de Teddy Thomas, le talent de Teddy Thomas pour aller chercher la profondeur là-bas avec Diacon. Et on sait que c'est un joueur également qui est à suivre, Amadou Diacon. Gomis à la récupération. Et il attendait peut-être ce ballon dans les pieds. Hendrick Kofi. Thomas. Emmanuel Agbadou. Oliero avec Joseph Okoumou. Et qui va temporiser le Kenyan. Kenya dont Reims doit se féliciter de ne pas avoir vu cette nation rejoindre la Coupe d'Afrique des Nations, qui, on le rappelle, est à suivre jusqu'au 11 février sur Beansport. Parce qu'il y a tellement d'absents du côté rémois. Belle transversale. Encore une fois, bien joué. Avec la possibilité pour Darami de donner ce ballon à Teddy Thomas. Teddy Thomas qui va la donner en retrait. Thomas Fouquet. Et on rejoue derrière avec Joseph Okoumou. Pour Emmanuel Agbadou, le décalage côté gauche. Thibaut Desmet, le Belge. Un des nombreux joueurs ou membres du staff
from Belgique dans cette formation rémoise. Le corner obtenu, quatrième déjà de cette partie. Attention, parce que le corner concédé par Arthur Vitelli va forcément amener du danger depuis le début de cette rencontre. Les corners sont très bien tirés cette fois-ci. C'est Eddy Thomas qui va s'en charger. Tout à l'heure, ce n'était pas lui. Là, ça va être pour Thomas. On voit là le positionnement également de Diacon. Peut-être une combinaison à venir. Non, il ne sera pas pour Thomas. C'est bien Mamadou Diacon qui va s'en charger. Ah, il y a la possibilité sur corner à nouveau. Et cette fois-ci, Mathieu Patouillet a les mains fermes pour se saisir de ce ballon. Et tout de suite, envoyer là-bas, loin devant, le ballon à l'un de ses partenaires. Eddy Thomas qui va redescendre très vite pour récupérer le ballon. Thomas. Le ballon avec le gardien et moi. Alexandre Oliero qui profite de la Coupe de France pour avoir un peu de temps de jeu à la place de Yevan Diouf, le gardien arrivé en provenance de Pau. C'était l'hiver dernier. Il y a un an de cela. N'a pas eu l'occasion de jouer en Ligue 1, Alexandre Aliero, depuis qu'il est arrivé à Reims. Là, il est forcément l'un des boulonnables, Yevan Diouf. Est présent physiquement. Qui réalise une bonne saison dans la cage rémoise. Intervention de Thibaut Desmets devant Noah Fattar. C'est une touche à suivre bien placée en faveur du Football Club de Sochaux-Montbéliard. Et le ballon a été mis en corner. Allez, les Sochaliens, l'attaque peut-être sur cette situation, sur ce coup de pied arrêté. Le corner sochalien, il était bien tiré encore une fois. Cette fois-ci côté locaux. Il a été renvoyé par la défense rémoise qui ne laisse que très peu de miettes à son adversaire. Amin Salama pour l'instant n'a pas eu beaucoup de ballons. Allez, la possibilité pour le très talentueux Alex Dao. Alex Dao, ouais, c'est bien, il lutte. Ballon donné à Diego Michel. Le contre à venir pour les Sochaliens, les Rémois. Ah, il y a du mieux vraiment du côté des hommes d'Oswald Chanchonchou. On voit Will Steele bondir devant son banc, comme à son habitude. Ah, il y avait de l'idée dans cette tentative de Rolly Pereira de combiner immédiatement et en une touche. Mais il y a du mouvement vraiment dans cette formation sochalienne. Un peu de déchet malheureusement pour espérer inquiéter cette défense rémoise. Mais il y a du mouvement, il y a de l'idée. Et c'est intéressant de voir la manière qu'ils ont de tenter de se projeter très rapidement dans le camp rémois. Fouquet avec Joseph Okoumou. Thomas Fouquet. Diacon. Okoumou. Joseph Okoumou, il est allé chercher le côté gauche de cette équipe rémoise. Emmanuel Agbadou. Joseph Okoumou. Avec Thomas Fouquet. Diacon. Amadou Koné. Eddy Thomas. Le centre de Eddy Thomas, l'intervention. Signé Arthur Vitelli. Et qui dit intervention dit aussi corner. Et qui dit corner dit également danger. C'est encore une fois Mamadou Diacon qui va s'en charger. Jeune joueur de 18 ans, auteur d'un doublé au tour précédent contre Dinan Léon avec cette formation rémoise. Très talentueux. Thomas. Petit crochet.
de Wilson Esbrand pour Teddy Thomas. Le pied gauche de Teddy Thomas, c'était encore une fois déposé. Le problème, c'est qu'ils étaient deux sur ce ballon. Il y avait Joseph Okoumou resté aux avant-postes, il y avait Amine Salama également. Ils se sont peut-être gênés au moment de reprendre ce ballon second poteau. Ah, et Mathieu Patouillet. La bonne intervention signée Julien Dacosta. Avec le corner à suivre, c'est Thibaut de Smet qui va. La touche à suivre, pardon, c'est Thibaut de Smet qui va s'en charger. Agbadou. Et le débordement de Diaco, accroché dans la surface de réparation. Y aura-t-il pénalty? Ce sera un coup franc à venir pour cette formation rémoise. On est à la limite de la surface de réparation. Il y aura un carton. Ah, il a mis le feu, Mamadou Diaco. Et donc un coup franc extrêmement bien placé. Regardez le travail de Diaco qui prend le dessus complètement sur Gomis qui vient faire faute. Alors on est bien à l'extérieur de la surface de réparation, mais ça se passe vraiment à la limite de cette surface. Et attention, parce que là Thomas dans cette position là Teddy Thomas à la baguette, on sait qu'il est capable de distiller d'excellents ballons, des galettes. Il a l'habitude de régaler en Ligue 1, la Coupe de France également. Devrait faire la connaissance avec la patte gauche de l'ancien milieu de terrain Lyon Saint-Gilloise. Teddy Thomas donc pour tirer ce coup franc. Les Rémois continuent de dominer cette rencontre qu'ils prennent très au sérieux. Ce premier quart d'heure est exemplaire de la part des hommes de Will Steele. Teddy Thomas, le pied gauche, il l'attend directement. Ça a été légèrement dévié et c'est repoussé devant la ligne par un défenseur socialien, en l'occurrence Thomas Fontaine. Est-ce qu'ils vont réussir à le reprendre le ballon, les Rémois? On voit ce coup franc de Teddy Thomas. Dévié une première fois par le mur et ensuite par Thomas Fontaine présent sur la ligne. Allez, la touche à venir. Elle sera pour les Sochaliens. 17 minutes de jeu. 17 minutes 30 de jeu. Ici à Bonal. Et toujours 1-0 pour cette formation rémoise. Attention au pressing des Sochaliens. Fouquet. Amadou Koné, ah, il a voulu lancer immédiatement Amine Salama sans réussir à lui donner le ballon. Et encore une fois, vous le voyez, on presse vraiment le porteur de balle. C'est bien aussi ce que fait Sochaux sur ce genre de séquence. Preuve en est, il a raté son dégagement, Emmanuel Agbadou. Il a envoyé un parpaing sur Thibaut de Smet. Et le ballon dans les pieds sochaliens à nouveau avec Diego Michel. Diego Michel emmené par Safou. Il a décalé sur le côté gauche Alex Dao. Alex Dao, c'est bien fait ça pour Diego Michel. Ballon mis à l'entrée de la surface de réparation. Ballon repoussé surtout par le milieu de terrain rémois. Le bon coup de patte là de la part de la défense sochalienne. Teddy Thomas vient commettre la faute. Oui, assez indiscutable. Même si les Rémois là sont furieux contre cette faute signalée. C'est pas Teddy Thomas hein, qui vient la faire cette faute, c'est Thibaut de Smet. Oh, on a tenté de jouer rapidement le coup franc, on attendait de surprendre cette équipe rémoise. Alors, qui pour tirer ce coup franc? Y aura-t-il Noah Fattah? Pour s'en charger.
toujours une très belle ambiance vraiment ici mis par les Sochaliens qu'on a envie de saluer. Allez, Noah Fatar. Et son pied gauche, il l'a tenté. Non. Peut-être une erreur là de la part de l'ancien Argevin qui a tenté de la placer très fort devant la cage d'Alexandre Oliero, mais le problème, c'est que ça manquait de précision. Agbadou avec Joseph Okoumou. Et tranquille. Manuel Agbadou là. Pas attaqué. Et ouais, le problème c'est que c'est pas la première fois qu'il donne mal ce ballon à Thibaut de Smet. C'est derrière dans le duel des jeunes talents. Zao Diakon, c'est Zao qui prend le dessus. Oh, la passe elle est très intéressante de la part de Zao. Non, Fatar, le centre de Fatar. La remise, incroyable. Incroyable. Le but marqué par les Sochaliens, le but marqué par Diego Michel sur un excellent travail signé Axel Zao. Et derrière, le stade explose. Bonal prend feu. La Coupe de France, c'est la magie, c'est l'irrationnel. Et Sochaux la vit à 100% cette magie. La transition parfaite au moment de reprendre ce ballon. Alex Zao à la baguette. Il vient le récupérer côté gauche. Il remonte le terrain, il adresse une merveille, vraiment une merveille de ballon à Noah Fatar qui derrière donne ce ballon à Diego Michel qui ne fait que conclure dans le but vide. Un partout. Et on a loué le génie des hommes de Will Steel, on a loué le sérieux, l'implication de Reims sur ce début de match. Ils se sont fait surprendre sur l'une des premières occasions, si ce n'est la première vraiment, des Sochaliens, mais qui était vraiment, vraiment bien effectuée. Je souligne le travail d'Alex Dao qui a été excellent. Alex Dao, là, l'ouverture manquée. Ballon au milieu de terrain. La possibilité avec Amin Salama. Amin Salama. Le ballon remis à l'entrée de la surface de réparation. La touche à venir pour les Rémois. Mais quelle ambiance! Ambiance ici à Bonal où les supporters espèrent revivre forcément l'espace de 90 minutes, les plus grandes heures de leur histoire. Le centre de la part de Diakon, la possibilité de tout de suite calmer le stade Bonal de la part des Rémois, mais finalement ça a été repoussé. Et quelle détermination vraiment de cette formation sochalienne qu'il faut saluer, parce que quand on voit le début de match, quand on voit la physionomie de ces 20 premières minutes, tout laissait à croire que Reims allait dérouler dans cette rencontre. Et bien, ils ont eu le mérite de revenir. Alex Dao, l'imprévisible technique. Alex Dao. Qui a réalisé un travail exceptionnel avec une passe magnifique. Et le ballon dans les pieds rémois cette fois-ci. Avec Emmanuel Agbadou à nouveau. Thibaut de Smet. Emmanuel Agbadou.
L'attaque rémoise avec le centre à nouveau. Bien repoussé par la défense sochalienne qui va devoir résister, être au défi physique de cette équipe-là. Malcolm Vittar obtient la faute, obtient le coup franc. C'est Teddy Thomas qui était venu au moment de presser sur le jeune capitaine sochalien. Il n'a que 21 ans, Malcolm Vittar. Et le coup franc va être joué du côté de Sochaux. C'est Mathieu Patouillet qui va s'en charger. Le dégagement donc du gardien. On sait qu'il peut avoir un coup de patte intéressant, lui qui s'est imposé. Hein. Il était arrivé plutôt dans la peau d'un numéro 2. Qui était numéro 3 à l'Olympique Lyonnais, qu'il ne voyait pas l'horizon se dégager. Il avait besoin d'un prêt pour engranger du temps de jeu. Il n'a eu aucune consigne. Hein. De la part du bord lyonnais à Sochaux sur un éventuel temps de jeu. C'est lui tout seul qui est venu récupérer cette place de gardien numéro 1 à la place de Baptiste Valette en cours de saison. On peut peut-être imaginer voir l'aventure se prolonger à Sochaux. On sait que l'horizon semble se boucher avec l'arrivée de Lucas Perry, le brésilien, provenance de Botafogo. Et nul doute qu'il est mieux ici. Du côté du FC Sochaux, a enchaîné les matchs, même en national, plutôt que gardien numéro 3 à l'Olympique Lyonnais. Si en plus ça lui permet de vivre de telles ambiances, Amine Salama, ouais, il s'est raté Amine Salama là. Mais en revanche, il y en a un qui a pris un ballon en plein dans l'abdomen, qui est à terre, c'est Julien Acosta, natif de Marseille. Deux hommes à terre du côté de Sochaux, ouais, et on souffre forcément. Cette image, Amine Salama, il y avait d'abord la petite roulette réussie par Amine Salama pour se mettre face au jeu, et derrière il a voulu alerter partenaire du côté gauche, alors que là c'est Rolly Pereira de ça qui semble toucher Oswald Tanchot. Le voici. Il a l'air touché, vraiment, Rolly Pereira de ça, il a l'air de souffrir au niveau de la cheville. Cette récupération de balle d'Amine Salama. On le voit se tordre de douleur. À savoir s'il va pouvoir continuer. Quelle ambiance vraiment ici à Sochaux, et on remercie notre réalisateur Patrick Pandolfino qui nous permet de vivre pleinement cette ambiance à Bonal. Rolly Pereira de ça, lui, s'est relevé. Il y a une discussion vraiment entre le corps arbitral et les joueurs sochaliens. Ah, il va prendre le ballon tranquillement. Mathieu Patouillet. Pour dégager. Teddy Thomas à la réception de cette balle de la tête. Ah, et la faute là. De la part d'Amadou Koné. On le disait, il a 18 ans. Peut-être la petite erreur de, ouais, d'engagement là vraiment au moment d'aller prendre ce ballon dans les pieds de Diego Michel. Et donc nouveau coup franc à venir pour les Sochaliens. Qui reste de longues minutes à terre les Sochaliens. Forcément le défi physique n'est pas le même. Et on sait que on parle de défi physique, ils savent en imposer hein, les Rémois. Mais qui se dépensent énormément sur les rencontres de Ligue 1, qui courent beaucoup. Allez, Alexandre Oliero pour placer sa défense sur ce coup franc signé Noah Fattar. Il a tenté de déposer le ballon dans la surface de réparation. Noah Fattar, l'intervention d'Alexandre Oliero qui vient se rassurer.
Thomas Fouquet. Avec Joseph Okoumou. Tenter de renverser à gauche. Ouais, c'est pour Wilson Esbrand. Josh Wilson Esbrand. Le centre de Wilson Esbrand. Ballon récupéré par Mamadou Diakon avec Teddy Thomas. On voit ce centre. Derrière, il a réussi à le contrôler de la poitrine, mais il a glissé au moment de transmettre ce ballon à Teddy Thomas. Le très talentueux Diakon. Joueur de 18 ans également. On a beaucoup de jeunes. Alors surtout sur le banc rémois qui est très très jeune aujourd'hui. Mais également sur le terrain et de deux côtés. L'image d'Arthur Vitelli, 23 ans. Les Rémois semblent avoir repris un petit peu le match en main. Eux qui, sur leur seule occasion concédée, finalement ont encaissé ce but qui a fait littéralement, vous l'avez vécu évidemment, mais exploser Bonal qui donne vraiment de la voix. Il y a une ambiance énorme ici à Sochaux, vous le disiez, 20 000 spectateurs. Ça fait près d'un an qu'on n'avait pas vu ce stade plein, ce stade qui en a connu des galères, qui en a connu des douleurs ces derniers mois. Le corner à suivre pour les Rémois, donc le 7e corner déjà pour les hommes de Will Steele. Et attention toujours à Teddy Thomas lorsqu'il est là, sauf que là il sera pour Dara. Ramis corner, il est renvoyé par la défense sochalienne et par Arthur Vitelli. Thibaut Desmets avec Teddy Thomas. Thomas à nouveau. Décalage côté gauche, ouais, on est passé au travers du côté de la défense sochalienne. Ça va profiter à Darami, le centre de Darami, le contrôle d'Amin Salama. Ah, il a voulu se retourner. Amin Salama là-dessus, il n'a pas réussi. Thomas Fouquet. Avec Joseph Okoumou. Thibaut Desmets. Et la percée. Tout de suite on s'est mis dans le sens du jeu. En deux passes. Reims arrive à faire des différences. Le sérieux, l'application sur cette situation, même si ça manquait de précision, mais c'était bien fait. Très bonne sortie également de Mathieu Patouillet qu'il faut souligner. Allez, Patouillet, le dégagement de Mathieu Patouillet. On sait qu'il a vraiment la capacité de, au pied, d'envoyer de bons ballons, et on cherche beaucoup Kofi. Joueur passé par Reims notamment entre 2019 et 2024. Il a été prêté au Portugal, il a été prêté au Mans. Sans réussir à faire son trou dans cette formation rémoise, il avait eu quelques matchs en Ligue 1 néanmoins sous Oscar Garcia. Il avait connu Will Steele en tant qu'adjoint seulement. Kofi, le dégagement de Patouillet. Et Kofi de l'arrière du crâne, il a voulu tout de suite alerter Diego Michel. Alexandre Oliero, le pressing sochalien, le pressing de Diego Michel sur Alexandre Oliero qui a réussi à garder sang froid et calme et sérénité pour adresser ce bon ballon. Regardez l'assurance, la sérénité. Agbadou. Emmanuel Agbadou. Hop hop hop, là, attention. Amadou Koné. Joseph Okoumou. L'interception signée Alex Dao. Joseph Okoumou. Teddy Thomas, l'ouverture de Teddy Thomas, le pied gauche de Teddy Thomas, ça va sortir. Sous les yeux d'un Will Steele qui n'a pas dû apprécier forcément ce but marqué par les Sochaliens. Et mine de rien, cette équipe
Sochalienne défend de mieux en mieux. Elle a souffert sur le début de match. Et visiblement, cette défense a intégré désormais quelle adversité ils avaient. Et de se mettre avec Salama. Oh Salama! Oh Salama! Oui! Celle-là a failli faire très mal à la défense sochalienne. Amine Salama sans élan à l'entrée de la surface de réparation. Il a un immense talent, il a un immense potentiel, mais n'arrive quasiment pas encore cette saison à l'affirmer pleinement. Mais ce geste de classe le prouve. Celle-ci, si elle rentre, elle est absolument magnifique pour l'ancien joueur de Montrouge. Passé par Dunkerque et le SCO. Diego Michel, la récupération de balle, pas de faute signalée à l'encontre du Rémois et la possibilité pour Amadou Koné de transmettre à Teddy Thomas. Darami danger, la frappe de Darami, elle est contrée. Nouveau corner à suivre en faveur de cette formation. Allez, Teddy Thomas. Et sa patte gauche. Cette fois-ci, ce sera bien pour lui. Ah, encore une fois, Diacon qui vient se positionner juste à côté de Teddy Thomas. Le pied gauche de Thomas. C'est encore une fois très bien tiré. Quel danger lorsqu'il vient donner ce ballon dans la surface de réparation. Thomas Fouquet. Centre de Fouquet. Malcolm Vittar à nouveau. Ah, il s'est bien écarté ça. Avec l'intervention. Joseph Okoumou. Emmanuel Agbadou, Thibaut Desmet. À suivre de se mettre à la touche. Amine Salama. Thomas, le bon contrôle de Teddy Thomas. Oh, quelle passe! Position de hors-jeu. Il y a une position de hors-jeu à l'encontre de Thomas Fouquet signalée au moment où Teddy Thomas, encore une fois, à la baguette, tentait d'apporter le danger à chaque fois qu'il a des prises de balle de cette manière. Teddy Thomas, il est dangereux pour cette formation rémoise qui a le ballon, mais a de moins en moins d'occasions alors que la mi-temps se rapproche. Les Sochaliens ont peut-être retrouvé des ailes avec ce but marqué par Diego Michel. Un partout, toujours entre ces deux formations, le dégagement à venir du gardien prêté par l'Olympique Lyonnais. Mathieu Patouillet, ancien gardien numéro 3 de l'OL, qui est devenu gardien numéro 1 en cours de saison à Sochaux. Il a pris la place de Baptiste Valette. Intervention de la tête du milieu de terrain Rémois et la relance de la part des Rémois avec Joseph Okoumou. Thomas Fouquet, le Belge, pour progresser, balle au pied. Thomas Fouquet, on trouve le relais au milieu de terrain avec Amadou Koné, 18 ans. C'est la première titularisation d'Amadou Koné cette saison avec Reims, qui doit faire face à de très nombreux absents. Coupe d'Afrique, Coupe d'Asie également qui provoque de nombreuses absences. Il y a les blessés également, il y a le départ de Matusiwa du côté du Stade Rennais. Alexandre Oliero, et attention au pressing mené par Diego Michel, le buteur. Alexandre Oliero, pour l'instant il est serein dans ses relances, même si là c'est un pied sochalien qui a repris le ballon. Teddy Thomas. Oh, Teddy Thomas a tenté de passer sans réussir à prendre le dessus sur son vis-à-vis. Emmanuel Agbadou, Thibaut Desmet, pardonnez-moi, Mohamed Darami avec Wilson Esprant. Et le dégagement derrière. Gomis, le pied mis sur le ballon par Gomis face à Diacon. Et cette formation recule forcément
sochalienne. Teddy Thomas, il vient toujours très bas récupérer les ballons. Le meneur de jeu rémois avec Joseph Okoumou. Emmanuel Agbadou. Le voici Thibaut de Smet. Amadou Koné. Ouais, bonne lecture de jeu de la part de Gomis. Koné. Diacon. Diacon à l'intérieur de la surface de réparation. Diacon, le centre de Diacon. Et encore une fois, l'intervention réussie de la part du jeune d'Alanguini, Paul Gomis. Et la touche effectuée. Diacon. Diacon avec Amadou Koné. Amadou Koné, le ballon remis avec ce centre de Joseph Okoumou. Pas toujours le joueur de position privilégié par Joseph Okoumou. Et la touche signalée rend fou. Un mètre d'Arami. Diego Michel. Et Sochelin qui espère évidemment rejoindre le vestiaire à un partout. Le ballon décalé avec Fauquet. Tentative de loin. Ah, il a armé sa frappe qui a été contrée par Malcolm Vittar. Et Alexandre Oliero derrière qui temporise le ballon. Joseph Okoumou. L'ouverture de Joseph Okoumou à Amine Salama. Ça, c'est un contrôle qu'on aime voir. Petit contrôle. Aile de pigeon, on régale. Et derrière, on repart avec Alex Dao. Alex Dao qui va rentrer intérieur. Alex Dao avec Malcolm Vittar. Les Sochaliens à l'attaque. Et pourquoi pas Rolly Pereira de ça. Ouais, le ballon est bon pour Diego Michel. La frappe de Diego Michel dans les bras d'Alexandre Oliero qui s'est parfaitement couché. Occasion pour les Sochaliens qui n'ont pas dit leur dernier mot dans cette première période. Amine Salama. Allez, la touche va venir pour cette équipe sochalienne. Hakim Ben Elhadj en discussion avec Mohamed Darami qui proteste beaucoup. Et la touche pour Julien Acosta. Michel. Comme Vittar, pas de faute signalée. Avantage laissé. Et la possibilité pour Alex Dao. Dao, Dao, il garde le ballon. Dao, il s'effondre dans la surface de réparation. Pénalty à Sochaux. Pénalty à Sochaux. Incroyable pénalty en faveur des Sochaliens. Juste avant la mi-temps. La folie. Bonal exulte. Bonal exulte au moment où Hakim Ben Elhadj montre du doigt le point de pénalty. Car oui, c'est bien Sochaux qui va avoir l'occasion de passer devant à la fin de cette première période. Et encore une fois, l'insaisissable Alex Dao qui se fait heurter dans la surface de réparation par Emmanuel Agbadou, le buteur rémois. Possibilité donc pour Sochaux de mettre le feu tout simplement à Bonal. Alors, qui pour le tirer? Le jeune talent Alex Dao. Proche du ballon, Hendrik Kofi, ancien Rémois. Il a été formé du côté du stade de Reims. Il n'a jamais vraiment réussi à avoir sa chance dans cette équipe rémoise. Non, finalement, il sera pour l'imprévisible, le technique, le talentueux Alex Dao, que certains comparent à Ousmane Dembélé. Sachez-le, en Franche-Comté. Dao. Bonal retient son souffle. Le pied droit de Dao. Sochaux a frôlé la mort il y a quelques mois. Et là, Sochaux croque dans la vie à pleines dents. Mené par ce jeune joueur Alex Dao. Mené par cette équipe d'irréductible qui désormais passe devant Reims. 2-1 pour les Sochaliens. 1-3.
incroyable. Alex Dao fait tout. C'est lui qui a tout à l'heure amené le danger sur l'égalisation. C'est lui qui provoque le penalty. C'est lui qui le marque. Écoutez, vivez l'ambiance de Bonal. Thomas Pocket. Alex Dao à la récupération une nouvelle fois. Alex Dao. Alex Dao est un phénomène. Le ballon sera rémois. On est rentré dans le temps additionnel de cette première période. Okubu. La tête sochalienne. Diego Michel. Diego Michel, le ballon est sorti. Le ballon est sorti. Thomas Fontaine qui l'a mis en touche. Et le début de match était tellement à l'avantage des Rémois. On pensait voir venir le scénario d'une équipe qui allait écraser la concurrence. Et pour autant, c'est bien le contraire qui se produit. C'est bien Sochaux qui mène face à Reims. Il y a eu très peu de surprises dans ces 32e de finale de Coupe de France. Et si là, c'est les 16e de finale nous en offraient plus. Et notamment Laval s'imposer à Nantes. On a vu Le Puy également, on l'a vécu sur Beansport s'imposer. Retour sur cette possibilité pour Fouquet. Et le ballon dégagé par Thomas Fontaine rageusement. Il y a deux ballons dans la surface, dans le terrain avec Diacon. Excellent tacle là de la part de Gomis qui vient haranguer le Stade Bonal. Allez, Teddy Thomas. Teddy Thomas, le pied gauche de l'international maltais. Il est bien placé encore une fois ce ballon. Toujours très bien placé. Mathieu Patouillet pour le sortir. Il y a un homme à terre du côté rémois. C'est Amine Salama qui est touché. Et pas de coup de sifflet là de la part d'Hakim Benelhadj qui demande à Amine Salama de se relever. Il y aura une dernière possibilité pour les rémois dans cette première période. Avec le centre rémois, attention parce que Sochaux est en danger. La possibilité avec Amine Salama qui était recherché dans la surface de réparation. Mais Gomis a très bien défendu ce ballon. Et derrière, Mathieu Patouillet n'a que 19 ans. Mais il fait preuve d'une pleine expérience au moment de se saisir de ce ballon. Les Sochaliens espèrent évidemment rentrer au vestiaire avec cet avantage au score qui serait dingue déjà pour eux. Ils voulaient des émotions. Ils sont servis vraiment cet après-midi. Le ballon est sorti. Kofi. La touche à suivre pour les Rémois, la touche à suivre pour cette formation de Will Steele. Thomas Fouquet trouvé par Joseph Okoumou. C'est Alexandre Oliero qui va relancer proprement. 4 minutes de temps additionnel déjà. Et voilà, c'est la fin de cette première période dans une ambiance absolument dingue. Sochaux mène 2-1 et Bonal est bouillant. 2-1 pour les Sochaliens de National face au 6ème de Ligue 1. Allez, c'est la victoire. 20h30
sur Beansport. Teddy Thomas pour donner l'engagement de cette seconde période. Une bonne deuxième mi-temps. Et on va aller alerter encore une fois Darami. Plus recherché sur son côté. Akpadou. Avec Alexandre Oliero. Wilson Esbrandt, alors que Pocket continue sa course intérieure. Le voici Wilson Esbrandt avec Thibaut de Smet. Mohamed Darami. Allez, Mohamed Darami pour provoquer. Mohamed Darami, le centre de Mohamed Darami. Malcolm Vittar intervient. Et la possibilité dans la surface de réparation Darami. Le centre est bon de la part de Darami. C'est contré par la défense sochalienne. Teddy Thomas avec Akbadou. Mohamed Darami à nouveau. Bonne intervention signée Noah Fatar. Alexandre Liro. Joseph Okoumou. Emmanuel Akbadou. Bonne défense là de la part de Julien Dacosta. Thibaut de Smet à la lutte avec Dacosta. Récupération signée Noah Fatar à faute de Teddy Thomas qui rend furieux Will Steele sur son banc. Et regardez justement explication entre Kim Benelage et Will Steele. Alors probablement il y a l'énervement de Will Steele. Le problème c'est que forcément l'impression que Will Steele pestait contre l'arbitrage, mais plutôt contre cette erreur de Teddy Thomas. Sanctionné que verbalement. Will Steele qui demande évidemment aux Sochaliens de se dépêcher. Il joue le chrono déjà. Les Franc-Comtois. Patouillé. Avec comme Vittar qui a dévié ce ballon. Attention à ne pas perdre le ballon du côté de Dao. Alex Dao qui vient obtenir une touche. Gomi s'était monté. Touche rapidement jouée avec Diego Michel qui était recherché. Amin Salama. Difficulté sur cette première période Amin Salama, même s'il y a eu cette frappe à l'entrée de la surface de réparation. À peu près tout ce que a proposé Amin Salama aujourd'hui. Les Sochaliens qui n'arrivent pas à développer leur jeu là. Oh, la récupération dans les pieds de Teddy Thomas. Il n'a pas l'habitude d'en perdre des ballons Teddy Thomas. Mais derrière Reims s'est immédiatement rattrapé. Et le coup franc est signalé en faveur des Sochaliens. Ce coup franc paraissait plutôt à siffler en faveur de Reims. Faute en faveur de Sochaux. Et donc il y a bien coup franc à venir pour cette formation sochalienne. Effectivement, sur le ralenti proposé par les équipes dirigées aujourd'hui par Patrick Rodolfino, cela paraissait effectivement beaucoup plus net. Cette faute sur Diego Michel qui reste de longues minutes à terre. Lucas a connu une épopée avec Versailles. C'était il y a 2 ans, les Versaillais qui étaient allés jusqu'en demi-finale avant de s'incliner, avant de tomber face à l'OGC Nice. Diego Michel faisait partie de cette équipe qu'il a quitté l'été dernier à une saison contrastée en national. Malcolm Vittar sur coup franc pour venir apporter le danger dans cette surface de réparation rémoise. Le capitaine sochalien pour trouver l'un de ses partenaires, Julien Dacosta.
Malcolm Vittard et son pied droit pour aller chercher des grands gabarits dans la surface de réparation. Il est allé chercher Julien Dacosta notamment, mais c'est encore une fois la défense rémoise qui a pris le dessus sur ce coup franc. Il est resté debout, Noah Fattar, il vient obtenir un bon coup franc. Encore une fois, on est quasiment collé à la ligne de touche. Ils reprennent bien cette seconde période, les Sochaliens. On voit la faute là effectuée sur Noah Fattar, l'ancien joueur du SCO d'Angers. C'est Amadou Koné, le jeune Koné, qui vient faire faute sur l'ancien joueur d'Angers, l'ancien joueur de Cholet également, qui est arrivé cet été comme de nombreux autres joueurs. 14 arrivés du côté de TF Sochaux pour 22 départs. On a connu évidemment une intersaison très agitée, et pas seulement devant les bureaux de la DNCG. Noah Fattar, le pied gauche de Noah Fattar, ça c'est directement dans les bras d'Alexandre Oliero, sans problème pour l'ancien gardien palois. La relance courte avec Thomas Fauquet. Et bonne interception encore une fois de l'excellent Alex Dao. Elle a remise derrière de Diego Michel. Il a tenté de trouver l'un de ses partenaires devant, André Coffi. Le pressing sur Oliero. Et les Rémois développent leur jeu. Teddy Thomas. Un peu moins en réussite, Teddy Thomas aujourd'hui. De Smets. Avec Diacon. On va revenir derrière avec Mathieu Patouillet. Qui va dégager ce ballon. Toujours les longs ballons de Mathieu Patouillet pour aller chercher le grand gabarit de Coffi. On voit qu'il a vraiment de l'or dans les pieds, ce gardien, en plus d'être talentueux. Emmanuel Agbadou avec Thibaut De Smets. Agbadou. Allez, Emmanuel Agbadou avec Joseph Okoumou. Il y a le pressing de Kofi. Agbadou Koné redescendu pour chercher ce ballon. Et on va lancer là-haut Thomas Fauquet qui a raté complètement sa passe. Celui qui avait connu une période un petit peu plus difficile cette année avec Reims. On sait qu'il avait été très important lors des dernières saisons. C'est un joueur qui est là depuis de nombreuses années. Thomas Fauquet, 2018, l'année de son arrivée du côté de Reims. 10 sélections avec la sélection belge. Il y avait eu une petite piqûre de rappel en Ligue 1 notamment. C'était contre le Racing Club de Strasbourg où Will Steele, d'abord en conférence de presse, avait fait savoir qu'il attendait plus de la part de Fauquet et ensuite l'avait placé sur le banc. Attention au pressing là. Alexandre Oliero, il est serein également, sauf qu'il va mettre ce ballon en touche. Il n'a pas réussi à le prendre. Diacon là-dessus. Maxime Thibaut de Semet de la tête. Comme Vittard. Avec Alex Dao. Thomas, et on repart vite vers l'avant avec Mohamed Darami. Là il y a danger, là il y a une situation. Quand il est lancé comme ça, le Danois, il est inarrêtable. La frappe de Darami, il y avait peut-être quelque chose sur Darami. La frappe derrière de Teddy Thomas et Amine Salama qui n'a pas réussi à couper la tentative de Thomas. Le ballon a été touché, c'est un corner à suivre pour Reims. Une énorme occasion pour les Rémois avec Mohamed Darami, lancé à l'entrée de la surface de réparation. La tentative a été contrée. Derrière, il y avait la possibilité pour Teddy Thomas de frapper. Amine Salama n'a pas réussi à couper la tentative de Teddy Thomas. Le ballon a visiblement été touché par un Sochalien. Non, finalement, c'est un renvoi aux 5m50 pour le FC Sochaux. Quelle occasion pour les Rémois! Sochaliens, attention à ne pas prendre de carton. Parce que là, ils prennent vraiment leur temps. Et le dégagement de Patouillet. À suivre, ils prennent vraiment leur temps, les Sochaliens, sur chacune des touches qu'ils peuvent effectuer, des coups francs. Ah, ils savent que le défi physique que vont leur imposer les Rémois sera énorme en seconde période. Les Rémois privés de Reda Kadra, qui est présent sur la feuille de match mais qui était censé débuter, finalement malade, a débuté cette rencontre sur le banc, lui qui a passé très sale nuit. De l'espoir allemand est brillant contre Monaco. Vraiment le sentiment dans cette équipe rémoise, toujours un joueur pour apparaître et briller, alors qu'Azor Matusiwa
va quitter dans les prochaines heures le stade de Reims. On n'a pas trop d'inquiétude sur la capacité qu'a Reims à le remplacer. Au vu de l'excellent travail réalisé par ses dirigeants. Allez, le centre rémois s'est dégagé par Julien Acosta. Ah, ils sont plutôt repliés les Sochaliens là depuis quelques minutes et surtout ils mettent beaucoup de temps à dégager le ballon. Quand c'est des touches, quand c'est des coups francs, les Sochaliens prennent tout leur temps. Évidemment qu'ils jouent la montre parce qu'ils ont une équipe en face de Reims qui va leur imposer un défi physique énorme dans cette seconde période. Teddy Thomas justement à l'entrée de la surface de réparation. Thomas qui a trouvé Thibaut Desmet avec Emmanuel Agbadou. Ils sont tous dans leur camp, les Sochaliens devant leur surface de réparation. Emmanuel Agbadou, Teddy Thomas qui vient faire quelques pas pour tenter d'offrir une solution finalement. On recule du côté rémois avec Amadou Koné, Emmanuel Agbadou à nouveau. Il y aurait peut-être une possibilité là, Emmanuel Agbadou qui avance, il n'est pas attaqué. Emmanuel Agbadou, la remise de Wilson Esbrand avec Mohamed Darami, le Danois, pour provoquer Mohamed Darami, un crochet pour Mohamed Darami derrière, l'intervention encore une fois parfaite de la défense sochalienne. Cette fois-ci c'est Julien Acosta qui brille et le ballon à tout nouveau dans les Pyrénées. Ils reprennent très vite le ballon. Thibaut Desmet, petit ballon piqué de Desmet, la remise de Darami avec Teddy Thomas. Ça c'était un mouvement intéressant encore une fois de la part des Rémois, mais ils sont héroïques pour l'instant les défenseurs sochaliens. Intervention de Acosta. Le ballon dans les pieds d'Emmanuel Agbadou avec Alexandre Oliero, Joseph Okoumou. Pied de Mamadou Diakon. Il disait auteur d'un doublé lors du tour précédent. Oh, le travail encore une fois réalisé par Alex Dao. Et c'est un joueur qui ne risque pas de rester très longtemps en national. Alex Dao, quel talent vraiment. Il n'a que 20 ans ce jeune Alex Dao. C'est bien le profil qui peut intéresser les dirigeants rémois qui aiment bien les jeunes joueurs pour faire progresser dans le groupe Elite 2. Allez, premier changement de cette partie du côté du stade de Reims. Et bien, il est là finalement Reda Kadra. C'est lui qui va faire son entrée. Il va aller se positionner au milieu de terrain sur le côté droit à la place de Diakon. Thibaut de se mettre assez intelligemment, pas se mettre en danger, pas se mettre sous pression. Il n'a pas de couvrir son ballon. Thibaut de se mettre avec Amin Salama. Ouais, c'est bien fait dans les petits espaces pour les Sochaliens. Arthur Vitelli, Diego Michel. Carte danger pour aller chercher son gardien, Mathieu Patouillet. Pied gauche de Patouillet. Ah, c'est bien donné ça encore une fois. Même si derrière le contrôle est mauvais de la part de Gomis. Ce ballon semblait sortir, non? Pas de touche signalée par Hakim Ben Eladj. Et derrière Alexandre Olivier, tranquille. Avec Joseph Okoumou. Teddy Thomas. Reda Kadra, le nouvel entrant.
Et la possibilité donc à la touche pour cette formation rémoise de s'énerver dans cette partie. Thibaut de Smets. Agbadou avec Thibaut de Smets. Mohamed Darami. Darami avec de Smets. Et l'ancien de l'Ajax. Bien pris là. Joseph Okoumou. Mohamed Darami était recherché. Teddy Thomas. Pour orienter le jeu à gauche d'un coup de patte. De Smets avec Teddy Thomas à nouveau. Thomas pour lever le ballon. Ça c'est bien fait avec Thibaut de Smets. Julien Dacosta qui a réussi à faire la différence derrière pour écarter le danger. Les Rémois pressants, les Rémois oppressants même sur le porteur de balle sochalien. La touche à venir, elle est en faveur de cette équipe rémoise. Elle est bien placée à hauteur de la surface de réparation. Allez, un changement à venir du côté de Sochaux alors que Malcolm Vittar est à terre. Rolly Pereira de ça qui va sortir visiblement. Son entrée au milieu de terrain à la place de Rolly Pereira de ça, l'ancien du centre de formation rémois. Hendrik Hofi fait sa sortie également. Kevin Zoï va faire son entrée. Kevin Zoï devant, qui était plutôt attendu comme titulaire. Ça a été le choix d'Oswald Tanchot de faire jouer Kofi. Reste à savoir comment va s'organiser cette équipe sochalienne. Alanakra qui vient se positionner au milieu de terrain côté de Malcolm Vittar. Thibaut de Smets à la touche. Avec Agbadou, on vous rappelle que dans cette Coupe de France, il n'y a plus de prolongation. Et jamais les deux équipes au bout de 90 minutes. Issue du temps additionnel et du temps réglementaire n'ont pas réussi à se départager. Ce sera une séance de tir au but. On n'y est pas encore puisque pour l'instant c'est bien Sochaux qui mène. Mais Sochaux est en danger. Amin Salama a été recherché. Pas réussite là, Amin Salama. Encore une fois toujours. Sochaliens qui prennent leur temps. 63 minutes quasiment de jouer dans cette partie. Il en reste une demi-heure à tenir. Thomas. Oh la bonne récupération de balle de Josh Wilson-Esbrand. Là il y a danger. Wilson-Esbrand pour trouver Teddy Thomas. La sortie de Mathieu Patouillet dans les pieds de l'international maltais. Et le travail là signé Josh Wilson-Esbrand pour aller adresser cette balle à Teddy Thomas. Il y avait de l'intelligence vraiment dans ce mouvement rémois. Intervention superbe d'Emmanuel Agbadou. Derrière Mohamed Darami, il y a de l'espace. Elle est complètement désorganisée et bousculée, cette défense sochalienne. Darami! Oh la frappe de Darami! Sochaux tire bon, Mathieu Patouillet s'est parfaitement couché sur cette tentative de Mohamed Darami, mais Sochaux a eu chaud parce que là, la défense était complètement désorganisée. Et Darami, l'ancien joueur de l'Ajax, l'ancien joueur du FC Copenhague, a tenté d'en profiter. Alex Dao à l'attaque, le talentueux Alex Dao qui risque de faire tourner la tête des recruteurs qui sont présents à Bonal aujourd'hui. Il a 20 ans, c'est le meilleur joueur cette saison en national. Il profite forcément de cette descente en national pour exploser avec Sochaux. La Coupe de France également est une magnifique vitrine pour ce jeune talent. Buteur, on le rappelle, sur pénalty, toujours 2-1 pour les Sochaliens dans cette rencontre. Noah Fatar. Noah Fatar. Coup franc obtenu par le Sochalien. Auteur de 5 buts cette saison, Noah Fatar, en national également. Et lui aussi, il est jeune. Pour s'en charger. Il y a également la présence d'Alanakra.
Regardez, Bonal se lève. On va écouter la petite combinaison. Sauf qu'il est parti trop tôt. Oh, il s'est complètement raté, Noah Fatah. Sauf que le ballon a été récupéré par les Sochaliens. Alex Dao. C'est bien joué par la défense rémoise là, qui s'en est très bien sorti. Joseph Okoumou. Difficile de lui passer devant, Joseph Okoumou. Allez, les Rémois doivent réagir désormais puisque le temps presse. Les minutes passent, le chronomètre défile. Et le coup franc, logique, signalé en faveur de Reims. Maintenant pour Darami de créer le danger. Il y a toujours de l'espace devant Darami. Il vient coller à la ligne pour partir de loin. Mohamed Darami, le centre est bon pour Reda Kadra. Oh, Reda Kadra, il avait réussi le contrôle. Et derrière, l'intervention de la défense sochalienne. Teddy Thomas, la possibilité pied gauche de Teddy Thomas. C'est renvoyé de la tête par un sochalien. Et derrière, on s'en sort tant bien que mal du côté de la défense jaune et bleue. Joseph Okoumou pour mettre ce ballon dans la surface de réparation. Amadou Koné. On va chercher le côté gauche avec Darami. Thibaut de Smet, Mohamed Darami. Teddy Thomas. Le ballon mis par Teddy Thomas dans la surface de réparation. Thomas. Avec Thibaut de Smet. Teddy Thomas à nouveau. Darami, il y aurait encore de l'espace devant Darami. Encore et toujours de l'espace devant Mohamed Darami. C'est très bien fait ça pour Thibaut de Smet, second poteau. Thomas Fouquet n'a pas réussi à la reprendre derrière la défense sochalienne qui dégage ce ballon très loin. Et il va pas là. Kevin Zoï au pressing sur Emmanuel Agbadou. Dao à nouveau. Allez, on provoque dans la surface de réparation. Oh, le petit festival signé Wilson Esbrand qui est tombé derrière. Alors, a priori, il n'y a pas pénalty. La possibilité à nouveau avec De Smet. De Smet qui va aller chercher Amin Salama. Amin Salama dans la surface. Amin Salama. Thibaut De Smet à nouveau. Amin Salama qui tente de se retourner. Amin Salama. Le pied droit d'Amin Salama, Teddy Thomas enrôlé, Amin Salama, la tentative, elle est repoussée par Mamkov Vitar. Coup franc à venir pour le stade de Reims. Que s'est-il passé sur cette situation? Amin Salama reste à terre. Et on revoit Wilson Esbrandt là, oh, le double contact. Rien du tout, très bonne intervention signée Thomas Fontaine. Salama qui a des crampes après 68 minutes de jeu. L'ancien joueur de Dunkerque. Teddy Thomas avec Reda Kadra dans les appuis là, vraiment quelque chose en plus. Encore un superbe joueur dégoté par la cellule de recrutement rémoise. Reda Kadra. Reda Kadra. Il est tombé, Reda Kadra. Pas de pénalty sifflé. C'est un renvoi aux 5m50. Et c'est logique. Avec l'entrée en jeu de cet homme, Reda Kadra, que vous voyez là justement dans la surface de réparation, il fait beaucoup de différence depuis qu'il est rentré, l'international espoir allemand qui devait débuter cette rencontre et qui finalement, malade, a dû débuter ce match sur le banc. Mais son entrée fait vraiment beaucoup de bien à cette équipe rémoise, alors que Noah Fatah, lui, va sortir l'ancien espoir d'Angers. Thank you.
Kalou avait marqué. Tour précédent contre Lorient. 90e minute sur pénalty. Ah, il fallait oser le tirer celui-là. Il l'avait fait et plutôt brillamment puisque Sochaux s'était imposé contre un club de Ligue 1. L'objectif maintenant pour les Sochaliens, eh bien, ça va être d'en accrocher un deuxième à son tableau de chasse de club de Ligue 1. Allez, changement à Amine Salama en difficulté aujourd'hui. Il ne profitera pas de la coupe pour retrouver confiance. Yaya Fofana, auteur de 5 buts en 7 matchs joués en National 3. C'est arrivé en provenance de la réserve du Racing Club de Lens. Il a 19 ans, Yaya Fofana. Formé du côté du club malien Afrique Foot Elite, AFE. Il produit beaucoup de talent. Ces dernières années, donc, profitent notamment les clubs de Ligue 1. Allez, la possibilité encore pour les Rémois à l'attaque avec Teddy Thomas. Le centre de Teddy Thomas s'est renvoyé de la tête. Ballon Rémois à nouveau devant la surface de réparation. Allez, le ballon est sorti. Ça a été dégagé. Attention à Emmanuel Agbadou avec le pass d'Ouist et Makalou qui arrivait à toute vitesse derrière lui. Teddy Thomas. Agbadou. Okoumou. Le ballon a été repoussé. C'est une touche à venir pour Reims. Thomas, on va mettre Darami, qu'est-ce qu'il est dangereux également quand il rentre intérieur de cette manière là. Ah, il est en train de les rendre fous, même si pour l'instant il n'arrive pas à marquer. Darami, la technique de Darami. Malcolm Vittar, l'intervention, la frappe lourde rémoise et derrière Mathieu Patouillet se saisit de ce ballon sans aucun problème, vigilant le Lyonnais pour se saisir de cette balle. Sochaux souffre, mais Sochaux veut tenir. Darami. Avec Bobana Darami. Oh, quelle différence faite par Darami encore une fois sur Julien Acosta. Darami, le bon ballon pour aller chercher Yaya Fofana. Il a de l'espace, Fofana, pour briller. Le centre de Fofana. Teddy Thomas est passé juste au-dessus. Et on revoit cette possibilité-là avec Yaya Fofana. Ah, qui adresse un délice de centre. Repris premier poteau par Teddy Thomas. Elle est dure à redresser. Et Sochaux pour l'instant tient. Ouais, qui tire mais qui souffre cette formation sochalienne qui subit de nombreuses occasions depuis quelques minutes. Il y a notamment cet homme Mohamed Darami qui est très dangereux comme Reda Kadra, son pendant du côté droit. Mathieu Patouillet tient, la défense tient, il reste 16 minutes dans le temps réglementaire à tenir pour accrocher à son tableau de chasse un nouveau club de Ligue 1 après avoir éliminé, on le rappelle, au tour précédent le football club de Lorient. Les héroïques sochaliens sont en train de tenir un nouvel exploit dans leur histoire. Le ballon dans les pieds de Joseph Okoumou. Alors, riche histoire évidemment, avec le remporté deux Coupes de France, 1937 et 2007. Le centre rémois et la possibilité cette fois-ci, c'était Yaya Fofana dans la surface de réparation. Ça va filer à côté de la cage de Mathieu Patouillet.
Adama Bojang. Il est présent sur le terrain, Adama Bojang, le Gambien qui a joué deux matchs en Ligue 1, lui qui arrive en provenance du club du Steve Biko FC en Gambie. Et dont la sélection avec cette formation gambienne va lui permettre à la Coupe d'Afrique des Nations, évidemment, qu'on pourra suivre sur Beansport jusqu'au 11 février, on vous le rappelle. Il en profite à Reims, mais aussi à lui, pour avoir du temps de jeu. Il connaît le style, on sait qu'il a l'habitude, lorsqu'il est mené, de faire rentrer des joueurs offensifs à foison. Darami, encore une fois Darami, le travail de Darami s'est encore repoussé par la défense sochalienne. Ah, ils sont à bout de force, les coéquipiers de Julien Dacosta, le natif de Marseille, l'ancien joueur de Coventry. Il y a près de 75 matchs en Ligue 2, il a de l'expérience aussi à donner à ce club sochalien, l'ancien Nortais. Teddy Thomas, le pied gauche pour Teddy Thomas. Ah, c'était renvoyé. Osmet. Attention à ne pas perdre ce ballon. Bien géré ça au milieu de terrain par Amadou Koné. On a beaucoup de jeunes hein, du côté rémois. Amadou Koné, 18 ans. Adama Bojang, 19 ans. Yaya Fofana, 19 ans. Et le centre, justement. C'est un corner à suivre pour Reims. Un de plus, Amadou Koné pour s'en charger. Avec le corner rémois joué rapidement, Reda Kadra à l'entrée de la surface de réparation, la frappe de Reda Kadra, encore et toujours l'infranchissable Mathieu Patouillet. Il s'est couché sur ce ballon très bien placé sur sa ligne pour empêcher les rémois d'égaliser dans cette partie. Le compteur tourne, le chronomètre avance et pour l'instant c'est Sochaux qui a un pied en 8e de finale de la Coupe de France. Mohamed Darami a encore fait la différence. Mohamed Darami, il a réussi à rentrer dans la surface. Le ballon reste rémois. Le centre reste aussi dans les guingants qui collent de Mathieu Patouillet. Ah, il a de la glu dans les gants, Mathieu Patouillet. Il a peut-être un peu en difficulté sur ses premières interventions. Kim Benelage n'a pas sifflé là. Patouillet. Le ballon perdu par Patouillet. La récupération signée Darami avec Teddy Thomas. Le centre de Teddy Thomas et nouveau corner à suivre pour cette équipe rémoise. Ah, il tire la langue, Julien Dacosta. Et oui, parce qu'il souffre, c'est le symptôme d'un joueur et d'une équipe qui sont en train de tout donner. Reda Kadra à nouveau dans la surface de réparation et encore une fois la défense sochalienne tient bon. Il y aura peut-être un contre avec l'intervention ratée de Thibaut de Smet et ça profite aux sochaliens avec Makalou pour Dao, Alex Dao, le feu follet et le technique Alex Dao qui derrière va peut-être s'enfermer un petit peu sur son côté droit. Est-ce qu'il va réussir à faire la différence? Non, pas de coup franc sifflé par Hakim Bedelhadj, au grand dame, au grand désarroi de Bonal. Et Hakim Benelhadj, il va aller voir l'un des entraîneurs. Visiblement, c'est Thibaut de Smet qu'il va voir. Il est resté de longues minutes à terre, Thibaut de Smet. Il est allé s'enquérir des nouvelles du latéral belge. On tient pour le moment du côté sochalien, mais vous l'avez vu, on a du mal à jouer les coups à fond lors des transitions parce qu'ils sont épuisés, clairement, les sochaliens dans cette partie. Mais ils tiennent. Avec Teddy Thomas et on provoque encore une fois côté rémois. Mohamed Darami qui va finalement laisser filer son ballon côté gauche, c'est bien repoussé, ils tiennent. Il souffle Makalou avec Julien Dacosta. Makalou, regardez le pressing énorme réalisé par Thibaut de Smet.
qui permet la récupération de balle de Teddy Thomas. Très bonne intervention, magnifique. Se démène vraiment, c'est Alan Akra qui avait réussi cette très belle intervention, l'ancien du centre de formation et moi. Il y a 19 ans et aussi un membre important de cette formation sochalienne. Allez, la sortie de Thibaut de Smet pour la rentrée de un joueur offensif. Ah ouais, on va terminer avec tous les joueurs devant là. Côté Rémois. Le contre-avenir peut-être. Diego Michel, là, il n'a pas réussi. C'est laissé complètement avoir là. Et possibilité rémoise là. Avec Darami. Oh, la frappe! Emmanuel Agbadou dans le rôle du briseur de rêve du côté rémois. Il était présent dans la surface de réparation et il a déposé un délice de ballon dans le filet de Mathieu Patouillet. Le rêve est brisé, la logique est respectée. Sochaux désormais doit tenir pour atteindre la séance fatidique des tirs au but. Reims revient en tout cas dans la partie de partout. Quel but signé d'Emmanuel Agbadou, le ralenti avec Agbadou laissé dans la surface de réparation, enroulé parfait. Et carton jaune là. Positionné sur la ligne médiane et quel travail de la part des Rémois. Vraiment, on était en liaison avec le multiplex, on laissait évidemment commenter ce but d'Amien Perkis. Ils vont les mérites de magnifique enroulé d'Emmanuel Agbadou, à qui est le héros de ce match. Vraiment, côté Rémois, un doublé pour Emmanuel Agbadou, ses deux premiers buts Rémois. Tout arrive. Et les Rémois, ce qu'ils veulent maintenant, c'est de se mettre à l'abri dans les 90 minutes. Sangui, ouais, il s'est laissé emporter là. Noah Sangui, au moment de centrer, il n'a pas réussi à redresser cette balle. Allez, changement décidé par Osvald Tanchot. Avec deux entrées à venir, Dimitri Liénard va faire sa première apparition. Et Kevin Ogas qui va faire son entrée également. Kevin Ogas était blessé ces dernières semaines. Peut apporter beaucoup. Le voici, Kevin Ogas, pour remplacer Diego Michel. Malcolm Vita remplacé au milieu de terrain par Dimitri Liénard, qui a fait son retour donc ici à Sochaux. Retour parce qu'il avait connu les équipes de jeunes avant de se faire recaler du centre de formation. Dimitri Liénard, une belle histoire qui se conclut pour lui. À jouer, 6 minutes à tenir dans le temps réglementaire pour cette équipe sochalienne. Les Rémois voudront aller marquer. Le dégagement de Vitelli. Et il prend son temps, Alexandre Oliero. Effectivement, il y a une faute. Assez logique.
jouer assez rapidement également. Ouais, ils veulent y aller rapidement vers cette victoire et cette qualification, les Rémois. Reda Kadra ne veulent pas passer par la séance de tir au but. Seulement la moitié du travail a été effectué avec cette égalisation d'Agbadou. Josh Wilson Esbrand, il l'a tenté de loin. Pourquoi pas ? Heureusement là pour lui, c'est passé au-dessus. Raté. Et eux, ils ont pris un gros coup derrière la tête, les Sochaliens, avec cette égalisation signée Emmanuel Agbadou. Ils ont craqué, mais ils veulent tenir jusqu'à la séance de tir au but. Attention, parce que tout n'est pas terminé. Avec Dimitri Lienari, il vient de faire son entrée. C'est sa première apparition sous ce maillot-là. Lui qui a connu le centre de formation sochalien. Il a été recalé à l'âge de 15 ans. Il est passé par Belfort, par Mulhouse, avant d'exploser du côté du Racing Club de Strasbourg. Il a décidé de boucler la boucle en allant rejoindre Sochaux pour terminer sa carrière en national. Et il pourrait s'offrir, histoire de merveilleusement bien boucler cette boucle, un huitième de finale. Mais pour cela, il faudra réussir la séance de tir au but. Darami. Thomas. Avec Emmanuel Agbadou. Teddy Thomas. Et la Kadra. Vraiment une bonne entrée. Teddy Thomas avec Emmanuel Agbadou, Joseph Okoumou, Wilson Esbrand. Wilson Esbrand, le centre de Wilson Esbrand, la remise de Darami, Reda Kadra, oh, la parade de Patouillet, exceptionnel arrêt signé Mathieu Patouillet. L'héroïque Mathieu Patouillet fait chauffer les gants avant la terrible et fatidique séance de tir au but. Il est intervenu alors qu'une position de hors-jeu vient d'être signalée, mais l'occasion était énorme pour les Rémois. La tentative de Reda Kadra arrêtée par Mathieu Patouillet. Il souffre les Sochaliens dans les dernières minutes de cette rencontre. Il reste 2 minutes 30 dans le temps réglementaire. Allez, on va dire 7 grosses minutes à tenir pour atteindre la séance de tir au but. Centre, il est passé devant tout le monde, il n'a pas réussi. Yaya Fofana a trouvé l'un de ses partenaires. Thomas. Bonne intervention, bonne lecture de la part de Thomas Fontaine. International malgache qui a été quart de finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations. On rappelle que le tirage au sort aura lieu tout à l'heure sur Bein Sport. L'émission jour de coupe, ce sera à partir de 19h45 avec Patrick Guillou, François Rabillet et Emmanuel Barthes, avant évidemment de nous emmener tranquillement vers ce choc entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais, 16e de finale de la Coupe de France. Reda Kadra, revenons à ce match entre Sochaux et Reims, revenons à ce superbe affrontement que nous ont offert ces deux équipes. Amadou Koné avec Emmanuel Agbadou, de loin, Agbadou, ouais, c'est contré et ce sera un corner à suivre pour cette équipe rémoise, un de plus. Énième corner à venir pour les Rémois. C'est Teddy Thomas encore une fois qui va s'en charger. Il a été très dangereux sur certains de ses coups de pied arrêtés. L'international maltais, le pied gauche donc pour Teddy Thomas. Il y a évidemment les grands gabarits présents dans cette surface de réparation à l'image d'Emmanuel Agbadou, déjà auteur d'un doublé. Personne pour reprendre ce ballon, c'est dégagé. Et là c'est vraiment dégagé le plus loin possible du côté de la défense sochalienne.
5 minutes de temps additionnel. Agbadou, ballon mis, allez, on va aux 5m50. Et écoutez l'ambiance de Bonal qui rugit. Plus d'énergie pour aller au bout de leur action. Les Sochaliens, y a-t-il une position de hors-jeu là? Non. Makalou, l'excellente défense de la part d'Emmanuel Agbadou. La touche, elle est en faveur des Sochaliens. Dans une ambiance énorme ici, Balan Akrar pour effectuer cette touche avec Julien Dacosta. Julien Dacosta qui tente d'adresser une petite talonnade, le ballon va sortir, ce sera une touche à jouer pour les Rémois. Ils n'ont plus d'énergie pour jouer les coups à fond, les Sochaliens. C'est vraiment de l'attaque-défense depuis une grosse demi-heure. Et il s'est rapproché assez largement, le Rémois Noah Sangui. Rémois à l'attaque. Et finalement, ça va être bien géré ça par Arthur Vitelli qui dégage le ballon, qui obtient la touche. Ah, ils prennent leur temps, les Sochaliens. Il a eu 5 minutes de décider par le corps arbitral de temps additionnel, ce qui nous fait donc 3 minutes à tenir pour aller à la séance de tir au but. C'est évidemment l'objectif des Sochaliens qui n'ont quasiment pas d'énergie pour jouer les situations offensives. Teddy Thomas. Récupéré au milieu de terrain, il y aura peut-être un coup à jouer là, il y aura peut-être un coup à jouer pour Dao. C'est bien géré par la défense et Joseph Okoumou. Et encore une fois, les Rémois vont partir à l'attaque. Joseph Okoumou qui fait le petit pas d'avance pour faire la différence. Et derrière, donner un excellent ballon à Mohamed Darami dans la surface de réparation. Darami, il rentre intérieur, Darami la frappe. Mathieu Patouillet encore et toujours, il a de la glu dans les gants ce soir, Mathieu Patouillet. Le ballon est sorti. Dimitri Liénard. C'est Gomis qui va se charger de cette touche. Et bonne intervention là. Teddy Thomas, et on repart vers l'avant du côté Rémois. Teddy Thomas. Bonne intervention de la tête, signé Joseph Okoumou. Reda Kadra. Quel talent technique de la part de Reda Kadra. Le raid en solitaire de Reda Kadra, qui derrière, au moment de transmettre son ballon à son partenaire, a vu la défense sochalienne résister une fois de plus. Il reste une minute très précisément au compteur dans le temps additionnel de cette partie avant d'aller chercher la séance de tir au but. C'est encore une fois le danger permanent. Mohamed Darami qui est recherché sur le côté gauche rémois. Mohamed Darami, il attend du soutien, il l'a avec Noah Sangui. Mohamed Darami, il préfère y aller tout seul finalement, préfère rentrer intérieur. Mohamed Darami pour donner ce ballon à Thomas. Ouais, le ballon dans la profondeur dans cette surface de réparation pour casser les lignes. La défense sochalienne résiste. La défense sochalienne surtout envoie ce ballon loin devant. Il reste 30 secondes à tenir avant les tirs au but. Bojang.
C'est 11 de tir au but. Les Sochaliens ont encore l'espoir de rejoindre les huitièmes de finale. Les Rémois n'ont pas réussi leur objectif, plier le match en 90 minutes. Nous aurons donc le droit à une séance de tir au but dans cette rencontre entre Sochaliens et Rémois. Et la folie, vraiment, à Sochaux au moment du coup de sifflet final. Alors désormais, il va falloir choisir qui pour tirer. On a vu le geste sympa là, de la part d'Emmanuel Agbadou, qui est venu féliciter probablement Alex Dao, qui l'a fait souffrir dans cette rencontre. Voilà, qui se réunissent, qui pourra les tirer, qui pour affronter cette terrible pression, alors que du côté rémois aussi la pression, il y en aura, la pression de passer à côté de ce rendez-vous, la pression de se faire éliminer par une équipe qui évolue deux divisions en dessous. Quel match, quelle folie avons-nous vécu du côté de Bonal, avec le show Alex Dao en première période, le show Agbadou aussi, c'est lui qui a pris les choses en main pour permettre à son équipe de revenir. Tout le stade à l'être FC Sochaux Montbéliard. Et on voit Dimitri Lénard qui parle à ses coéquipiers. Il doit apporter son expérience à 35 ans, Dimitri Lénard, c'est son rôle. Lui qui vient d'arriver du côté de Sochaux, son rôle d'encadrer les jeunes, leur donner confiance dans ce genre de séance de tir au but. C'est pour ça que les Sochaliens ont décidé de le recruter alors qu'il était libre, qu'il a, il le disait, divisé largement son salaire. Et vous voyez la détermination là. D'abord, on doit savoir où est-ce qu'on tirera, qui tirera en premier. Thomas Fontaine, Marie Patouillet et Oliero. Alors, Teddy Thomas, Thomas Fontaine. Rendez-vous compte, cette jeune équipe sochalienne, la plupart sont arrivés en prêt, la plupart n'espéraient pas peut-être porter un jour ces couleurs-là sochaliennes. Sochaux qui a fait un mercato à l'arraché, voilà comment on pourrait le dire cet été. Et bien cette jeunesse sochalienne va jouer devant 20 000 personnes une séance de tir au but décisive pour rejoindre les huitièmes de finale de la Coupe de France face à un club de Ligue 1, face à un très bon club de Ligue 1 qui plus est le Reims de Will Steel. La pression doit être phénoménale sur leurs jeunes épaules, mais ils vont évidemment essayer de jouer le coup à fond pour remporter cette séance de tir au but. A priori, on ne la jouera pas devant le COP sochalien. Ainsi, on a été décidé par les Rémois qui avaient l'avantage au TOS. Et donc, on tirera cette séance de l'autre côté, en face du COP. Alexandre Oliero qui va se positionner dans la cage. Le premier tir sera sochalien. Oliero a l'occasion de briller, lui aussi, qui a rejoint Reims il y a un an, qui n'a jamais eu sa chance en Ligue 1, barré par Yevan Diouf. Il est arrivé en provenance de Pau. Allez, c'est Talanakra.
a priori qui va tirer le premier. La petite explication évidemment avec Hakim Benelhadj qui va demander au gardien de respecter à la règle, à la lettre, le règlement que vous connaissez, notamment sur le positionnement sur la ligne. Allez, Kevin Ogas qui revient de blessure pour ce premier tir au but sochalien. Alexandre Oliero présent sur sa ligne, le gardien numéro 2 de cette formation rémoise. Il veut, Kevin Ogas, lancer le rêve sochalien. Et pour l'instant, ça part bien avec ce but, ce tir au but transformé. Il n'a pas bougé, Alexandre Oliero. Il était très bien placé, ce tir au but de Kevin Ogas. 1-0 dans la séance. Écoutez la bronca de Bonal pour accompagner Teddy Thomas qui vient se saisir de ce ballon, qui va le positionner sur le point de pénalty. Teddy Thomas, généralement, a une patte gauche qui fait des ravages. Le défi sera compliqué pour Mathieu Patouillet qui pourtant a brillé dans cette rencontre. Le gardien prêté par l'Olympique Lyonnais à Sochaux qui s'est imposé en cours de saison comme le numéro 1 inamovible. Thomas face à Patouillet sur la barre transversale. Les Sochaliens sont devant dans cette séance de tir au but. Folie à Bonal. Boum. Pleine barre, le petit sourire de Mathieu Patouillet. Dimitri Liénard. La prime à l'expérience. Prime à l'expérience avec Dimitri Liénard et ses 327 matchs sous les couleurs du Racing Club de Strasbourg. C'est son premier match sochalien. Oh, le raté total de Dimitri Liénard qui n'en gardera pas un bon souvenir pour son retour dans son club formateur. Le ballon s'est envolé dans les travées de Bonal. Terrible. Aïe, 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 aïe. Dimitri Liénard, pourtant il a l'habitude de bien les tirer, ses tirs au but. L'ancien de Strasbourg. L'occasion pour Reda Kadra d'égaliser pour les Rémois dans cette séance de tir au but. Deuxième tir au but Rémois. Et il est parfaitement transformé. Il était parti du bon côté pourtant, Mathieu Patouillet. Mais Reda Kadra a de l'or dans les pieds. Il l'a montré une fois de plus ce soir. Kevin Zoui qui a porté les couleurs du Racing Club de Strasbourg, qui a connu la Ligue 1, près de 61 matchs joués en Ligue 1. Il a marqué 5 buts cette saison. Kevin Zoui qui est entré en cours de match. Kevin Zoui s'est transformé et Bonal exulte. Les Sochaliens pour l'instant reprennent l'avantage en attendant le tir au but rémois. La bronca pour accompagner le pénalty de Mohamed Darami, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam. Il a connu la Ligue des Champions et il le montre avec ce geste parfaitement exécuté. Les Rémois reviennent égalité dans cette séance de tir au but de partout.
Le grand talent Alex Dao, l'imprévisible Alex Dao, il n'aura fait un grand match, il aura marqué sur penalty et en plus de ça il transforme son tir au but. Sochaux reprend l'avantage 3-2 dans la séance de tir au but, c'est insoutenable ici à Bonal. Si Josh Wilson Esbrand le rate, le prochain tireur socialien aura l'occasion de qualifier les siens. Oh, Patouille, il a touché le ballon, mais cette balle est rentrée dans la cage socialienne. Égalisation de la part de l'international espoir anglais. Oh, il s'en voudra Mathieu Patouille parce qu'il avait réussi à toucher le ballon. Will Steele placide pour regarder cette séance de tir au but. Issouf Makalou. Issouf Makalou, lui qui avait marqué le pénalty décisif lors du tour précédent contre le FC Lorient. Il ne veut pas être cette fois-ci le héros malheureux de cet affrontement face à Reims. Issouf Makalou, ah, c'est bien transformé encore une fois Penax. La pression est sur le tireur rémois désormais. C'est Emmanuel Agbadou qui va s'en charger. Il a marqué un doublé ce soir du côté de Bonal. C'est lui qui a occupé le rôle de briseur de rêve. Et si c'était lui qui permettait aux Sochaliens de rêver à nouveau, eux qui ont tant souffert, qui ont connu tant de galères ces derniers mois, ces dernières années. Agbadou face à Mathieu Patouillé. Emmanuel Agbadou. Emmanuel Agbadou a tout bien fait décidément aujourd'hui. Un doublé et un tir au but transformé. Égalisation. Boum. Encore une fois la frappe bien placée du pied droit d'Emmanuel Agbadou. Thomas Fontaine, le capitaine brassard au bras pour celui qui avait emmené Madagascar en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Thomas Fontaine, celui-là, faut pas le rater pour Thomas Fontaine, parfaitement exécuté. Les Sochaliens reprennent l'avantage, pression donc sur le Rémois. Joseph Okoumou pour poser ce ballon sur le point de pénalty. On rappelle que s'il le rate, c'est Sochaux qui prendra la direction des huitièmes de finale de la Coupe de France. Joseph Okoumou, oh, Mathieu Patouillé envoie Sochaux en huitième de la Coupe de France. Le parfum de magie de la Coupe de France, c'est aussi ça, c'est aussi Sochaux au tir au but qui sort le sixième de Ligue 1 et qui continue son rêve. L'incroyable destin de les hommes d'Oswald Tanchot, à qui on a promis la mort l'été dernier. Incroyable l'exploit réalisé par les Sochaliens qui s'imposent 5 tirs au but à 4 et qui donc verront les huitièmes de finale. La déception pour Will Steele, la déception pour les Rémois.
Quelle folie! Quelle folie ici dans les travées de Bonal, où vraiment le stade a exulté, le stade a rugi sur l'intervention, l'arrêt de Mathieu Patouillet. Les Rémois sont dépités forcément. À quelle ambiance, on a envie de profiter, on a envie de savourer du côté Rémois alors que Will Steele se dirige vers le parcage Rémois. Ils vivent une saison de rêve, les Rémois, eux, ils sont 6e de Ligue 1 avec un niveau de jeu très impressionnant. Forcément, les supporters ne leur en voudront pas tant. Regardez cette ambiance, regardez cette folie, les lumières évidemment qui brillent dans les travées de Bonal, de partout. Oui, Sochaux est en 8e de finale de la Coupe de France. Oui, Sochaux a battu le 6e de Ligue 1, Mathieu Patouillet, vous le voyez, héroïque dans cette partie, le gardien prêté par l'Olympique Lyonnais. Ah, il s'en souviendra de ce match. Oswald Tanchot, la joie d'un homme qui est très apprécié du côté de la Franche-Comté. Et vraiment, une ambiance exceptionnelle du côté de Bonal. Will Steele sous les yeux des autres joueurs. On a vu Ludovic Butel également, le gardien numéro 3 rémois, qui a fait le déplacement. Eh bien, on a vécu une soirée exceptionnelle en votre compagnie sur beIN Sport. Une de plus dans cette fabuleuse Coupe de France qui est encore une fois fidèle à elle-même, qui nous offre des exploits saison après saison. Sochaux en a fait l'étalage avec cet arrêt. On le revoit, l'arrêt de Mathieu Patouillet qui était tout bonnement exceptionnel. La glissade sur les genoux, Mathieu Patouillet, pour servir tout ce stade, pour servir toute cette équipe et pour briller avec le FC Sochaux Montbéliard. La joie est extatique de la part de cette équipe sochalienne qui donc s'impose au tir au but. Bonheur absolu ici pour les Sochaliens. Tristesse pour les Rémois qui ont eu le mérite de revenir alors qu'ils étaient menés d'un doublé d'Emmanuel Agbadou, mais qui reviendront déçus forcément de ce déplacement. On va se quitter évidemment sur ces images de joie. On vous laisse profiter sur beIN Max 6. On vous rappelle la suite du programme, c'est le tirage au sort à venir dans un instant de ces huitièmes de finale de la Coupe de France. Le match, le duel entre Rennes et l'Olympique de Marseille, c'est le choc de ces 16e de finale de la Coupe de France. Il y a évidemment la Coupe d'Afrique des Nations, il y a le foot US, il y a tout ça à suivre sur les antennes de beIN Sport. On se régale évidemment. Profitez bien de votre week-end, profitez bien de votre dimanche soir. Et on se quitte sur ces belles images. Merci à Patrice Pandolfino qui a réalisé cette rencontre. Bye bye.